D'accord. Ou alors, équitablement, pas que ça soit unilatéral. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, et on va boire du champagne, parce que j'étais encore sur ma frustration. C'est la brune qui a semé du rouge à lèvres comme ça. Il n'a pas été passé. 25 et 33, il a pas 58 ans. Nous parlons actuellement de Jacques Martin. Il a au moins mon âge, hein. C'est vraiment le chansonnier hier qui disait fois. Il était habillé, je pense que c'est celui qui était habillé en gilet, qui faisait son cling-cling-cling-cling comme ça, là. Ici l'occasion de célébrer le 19e anniversaire de la petite Carole. Campagne oblige. Eddie Barclay loue une salle de cherche à louer une salle de 300 places pour loger toutes ces femmes. Pour péter toutes ces femmes. Non, c'est les femmes, les anciennes femmes de Eddie Barclay qui cherchent une salle pour se réunir. 300 places. Quelques petits tours de table pour mieux se rendre compte de l'ambiance qui règne ici. Ça devait être le troisième gosse dans l'orphelinat. C'est une peintre, quoi. Une peintre maintenant de café. Elle connaît. Les noms, elle l'a vu. Ça vient des noms. La brune, là. Ouais, elle la connaît. Elle m'a envoyé son catalogue. Ben, on faisait un, deux, avec trois, une invitation pour aller voir son exposition au beau. Tu filmes, là. Au vernissage, le 19. C'est pas des noms. Richard, tu filmes. Il y en a eu beaucoup. Voilà. Fais passer les cacahuètes, s'il te plaît. Et dans son catalogue, il y a notre tableau, par exemple, elle a pas la vie. Tu donnes un coup pour déclencher. Et là, ça tourne. Il n'y a pas marqué enregistrement en haut à droite. C'est que ça tourne. Et ben alors, c'est dégueulasse parce que vous me faites prendre des trucs là. À Montpellier. Oh, tu dis enregistré aussi. À bientôt. 7e jour. Tu sais, je crois être oui, mais alors. Et oui, c'est ça le problème. C'est que je ne sais pas faire. Oh, puis c'est moche ce que je vois, mon Dieu. Tu vois l'oreille de Bernard, là? Ça va te faire chaud à la tête, ça? Non, il faut que tu aies pas chaud à la tête. Toujours pas vérifié. Oui. Oh, impro! Elle est belle. Que je mets dans mon truc, Geneviève s'en disparaît, revient avec un truc, elle me montre, et elle me la remet dans une petite gamelle, et il faut dire avant peut-être ce que c'était. C'était des boulettes pour chiens. Ça ressemblait à des petites cacahuètes sèches, enfin, tu vois, quelque chose de assez dégueulasse. Ça avec l'apéro. Alors, mais ça avec l'apéro, ben, Philippe n'en prend pas, mais Bernard, lui, au bout d'un petit temps quand même, il en prend un. Et Marianne, elle en a pas pris. Elle, alors, elle me demande, mais qu'est-ce que c'est? Je lui ai dit, ce sont des boulettes sèches. Qu'est-ce que c'est les boulettes? C'est une variété suisse. Dis quoi? Quelle connerie, on a plus là. Là, elle n'a pas marché. Elle n'a pas marché, elle n'en a pas pris. Elle est méfiante. Elle n'en a pas pris. Et du coup, il n'y a que Bernard qui s'en soit farci une. Et on va regarder un petit pour peu. Pour faire bouffer les boulettes. Lève un peu la tête, on voit un petit peu ce qu'il y a dans le nez. Oh, elle riait comme ça. Les boulettes. Je m'étais tournée vers l'évier et je rigolais dans mon coin. Elle devait voir mes épaules bouger. Et à un moment donné, ça a été difficile. Ça n'a pas bien marché. Ça a crié Marianne. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il prend là? Enfin, elle n'a jamais su ce que c'était que les boulettes sèches quand même. Non, elle ne le sait pas. On pourra recommencer. Ce sont les boulettes sèches. Mais on ne l'a pas dit. Non. Ben oui, je ne sais pas faire à tes droits. On commence un jour pour aller chercher les balles.
Quand j'enlève le doigt, ça s'arrête automatiquement? Non, non, il faudrait appuyer sur le rouge pour arrêter. Oui. Oui, vous l'avez vu faire avant. Voilà la moto. Ah, je pars comme ça. Non, non, le truc pas de bordure. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, mon cher père? Ouais. Tu vois rien? J'étais là en je suis hier. Trop près. Tu vois, je suis. Ah là, oui, c'est mieux. Toute sèche. Oui. Je viens d'aller prendre un bain. Un bain? Un bain. Au bord de la mer.